Bon alors déjà, désolé, je suis un peu enrhumé, je suis malade, bref, si tu comprends pas tout ce que je dis, c'est normal. Aujourd'hui, je voudrais te parler de vente sur Internet. Qu'est-ce que tu peux vendre sur Internet? La vente sur Internet, c'est un des meilleurs moyens pour devenir totalement indépendant. Tu peux travailler de chez toi, aux heures que tu veux, tu ne dépends que de toi. Donc c'est quelque chose qui attire pas mal de monde et je peux le comprendre. Je vais donc te donner plusieurs idées de choses que tu peux vendre sur Internet. Première idée, c'est le truc qui vient le plus facilement à l'esprit, c'est la vente de produits physiques. Tu sais sans doute qu'il y a des gens qui arrivent à vendre sur Amazon, qui arrivent à se faire de l'argent en vendant des produits sur Amazon. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus en France. L'avantage de vendre sur Amazon, par exemple, c'est que Amazon gère les stocks, t'as pas besoin d'avoir des choses chez toi que tu accumulerais dans ton garage. En fait, c'est simple, sur Amazon, t'as quelqu'un qui choisit ton produit et Amazon le lui envoie directement. Ça se rapproche du principe du dropshipping, ça en est même totalement. Le dropshipping, en gros, c'est quand t'as un intermédiaire entre toi, qui est le vendeur, et l'acheteur. Cet intermédiaire gère toute la logistique. L'acheteur appuie sur un bouton pour commander le produit et toi, tu as juste à empocher l'argent. L'intermédiaire gère tout le reste. T'es pas obligé de passer par une plateforme comme Amazon, tu peux avoir ton propre e-commerce en ligne sur ton site. Là, soit tu gères tes stocks, soit tu recours au dropshipping avec des intermédiaires. Je suis pas un grand spécialiste du sujet, mais je te mettrai quelques liens en description. C'est quelque chose que j'avais beaucoup creusé pendant une période, mais j'ai pas approfondir le sujet pour différentes raisons. Une de ces raisons, c'est le coût que ça implique. Vendre des produits physiques sur Internet, c'est, je pense, la chose qui nécessite le plus d'investissement de départ. Bon, ça, c'est surtout vrai quand tu recours pas au dropshipping parce que tu dois acheter des stocks. Mais même quand tu recours au dropshipping, tu achètes des échantillons, etc. Et au final, ça te coûte un peu d'argent. Si tu es intéressé par la vente de produits physiques sur Internet, ben, il y a plein de possibilités. Demande-toi quel domaine t'intéresse, quelles sont tes passions, il y a forcément des choses à creuser autour de ça. Ce que je conseille en général, c'est de créer du contenu autour de la thématique de ces produits. Pas sur les produits en eux-mêmes, mais sur la thématique. Par exemple, si tu aimes les drones, ben, tu crées du contenu sur les drones pour pouvoir ramener du trafic vers ton e-commerce. Et là, voilà, tu auras une cible qualifiée pour acheter tes produits. Une cible qui sera intéressée. Il y a un truc qui est super important à savoir. Si tu vends des produits qui ne sont pas utiles, nécessaires, enfin, qui répondent à un problème, c'est plus compliqué. Par exemple, sur Amazon, ce qu'on conseille en général aux débutants qui veulent se lancer, c'est de se baser sur des produits utiles, qui répondent à des petits soucis du quotidien. Pas toujours, mais c'est le plus facile, parce que la demande est déjà là, en fait. Attends, il y a la batterie qui est morte. Je vais changer ça. Hop. Bon, je sais plus exactement ce que je disais. Si tu vends des produits de loisirs, des drones, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, tu dois créer du contenu. Tu ne dois pas essayer de vendre directement parce que tu as tout un travail à faire auprès de ta cible pour être crédible, entre autres. C'est très compliqué de vendre un produit qui n'est pas d'une grande importance directement. Donc voilà, pour les produits physiques, soit des produits utiles et tu peux y aller sur Amazon ou via du Facebook marketing, donc via des Facebook ads, mais ça on en reparlera plus tard. Soit tu vends quelque chose autour de ta passion, mais pour ça tu crées du contenu via un blog ou des vidéos. Et ensuite tu peux essayer de vendre à ta communauté. Fournis de la valeur d'abord, ensuite ils seront prêts à acheter. C'est d'ailleurs le cas pour mon groupe de musique. On fait de la musique, mais on va ouvrir un store après avoir donné nos chansons gratuitement pendant un an, les gens sont prêts à nous acheter des t-shirts avec le logo du groupe, par exemple. Donc voilà pour les produits physiques. Maintenant, les services. Tu peux vendre des services sur Internet. C'est ce que fait un freelance. Alors là, l'approche est totalement différente. Il faut que tu sois visible sur Twitter, par exemple, différentes plateformes comme Upwork ou Upwork, pour commencer. Et créer du contenu, dans ce cas, est aussi assez pertinent pour démontrer ton expertise et pour être repéré par d'éventuels clients. Tu peux aussi prospecter par mail, contacter directement des entreprises pour leur proposer tes services. Bref, là, tu vois, tu as un peu un mix de différentes choses. Il faut que tu sois visible, que tu crées du contenu, que tu montres ton expertise, que tu la démontres. Et tu peux contacter directement des boîtes. Je reviendrai sur une vidéo plus précisément sur comment trouver des clients en tant que freelance. Donc, produits physiques, service, tu as aussi des infoproduits. Alors qu'est-ce que c'est les infoproduits? Les infoproduits, alors peu importe la forme, ça peut être des PDF, des vidéos, ils ont un but éducatif, en général. Par exemple, si tu es prof de yoga, tu peux créer des produits sur le yoga, des vidéos de coaching sur le yoga. Si tu es prof de sport, tu peux aussi créer un PDF ou une vidéo pour apprendre à maigrir selon un programme. Bref, tu vois ce dont je te parle, c'est assez courant. Là aussi, il s'agit de montrer ton expertise, de montrer que tu es crédible, que tu sais ce dont tu parles. Et plus que pour les autres cas d'ailleurs, presque. Parce que personne ne va acheter un guide pour apprendre à maigrir à une personne qui n'est pas en bonne forme. Et tu peux le comprendre. L'avantage des infoproduits, c'est que contrairement aux produits physiques, bah, ils nécessitent aucun investissement de départ. C'est là où la marge sera la plus grande. Du coup, tu peux comprendre pourquoi ça intéresse tant de monde. En clair, quand tu vends un infoproduit, tu vends tes connaissances. Quand tu
tu vends un service, tu vends tes compétences. Pour moi, ce sont les trois grandes catégories de choses que tu peux vendre sur Internet. Après, tu as d'autres cas un peu plus particuliers, dont l'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu perçois un pourcentage sur les ventes d'un produit qui n'est pas à toi, qui est vendu par quelqu'un d'autre. Tu as notamment des liens d'affiliation via Amazon. Tu as pas mal de YouTubeurs qui font ça quand ils ont une grosse audience. Bah, ils te mettent des liens dans la description pour te proposer le produit dont ils parlent et ils perçoivent un pourcentage sur la vente de chacun de ces produits. T'as une espèce de tracker, en gros le propriétaire du produit, celui qui vend le produit initialement, ben, peut voir que c'est par l'intermédiaire de ce lien-là que le produit a été vendu, par l'intermédiaire de son affilié. Donc il peut reverser ce pourcentage. Bref, sur tous ces exemples, tu vois que la vente n'est quasiment jamais frontale. Sauf dans le cas des produits physiques qui sont importants, utiles, qui répondent à une problématique concrète. Dans tous les autres cas, la vente repose sur du marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est donc le fait de créer du contenu pour attirer des clients potentiels. Sur Internet, sur les réseaux sociaux en général, la vente, elle est rarement directe. Les gens sont de plus en plus méfiants et en général, ils détestent qu'on leur vende des choses frontalement. Je t'en ai déjà parlé, le acheter, 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 ça ne marche pas. Donc on est assez loin du truc qu'on te vend souvent, tu sais, le devenir riche sur Internet en moins de 2 mois ou je ne sais quoi. Parce que le marketing de contenu, ça prend du temps. Tu dois créer du contenu et de manière assez importante, tu dois vraiment apporter de la valeur avant de chercher à vendre. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo « Vivre de sa passion », sauf que c'est applicable à beaucoup d'autres cas. Donc ne crois surtout pas qu'il y a une recette miracle pour vendre sur Internet. Il y a plusieurs possibilités, ça dépend de toi, de ce que t'aimes et de tes compétences, de tes connaissances. Mais ensuite, il faut s'investir. Si t'as pas d'idée particulière et que t'as un peu d'argent à mettre au début, va vendre des produits physiques. Si t'as des compétences que tu veux vendre, deviens freelance, vends tes services. Si t'as des connaissances, vends des infoproduits. En général, compétences et connaissances vont de pair, donc t'as beaucoup de freelance qui vendent des infoproduits. Bref, tout ça ne dépend que de toi, il n'y a pas de meilleur choix. Ça dépend de ce que tu veux, de ce que t'aimes. Après, évidemment, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Si tu vends un produit qui est d'une grande utilité, ce sera toujours plus facile de le vendre qu'un infoproduit où tu dois créer du contenu en masse avant de chercher à vendre. Bon, j'espère t'avoir aidé et t'avoir un peu éclairé sur ce que tu pouvais vendre sur Internet. Comme d'hab, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. À l'heure où je te parle, on est 244 sur cette chaîne, c'est carrément fou. Encore merci à tous les nouveaux abonnés. Bon, allez, on se dit objectif 1000 abonnés maintenant. Passe un super week-end et porte-toi bien. À plus.